L'enregistrement, attends. Démarrer, voilà. Du coup, je refais ma blague. Non. Fais du bruit. Ah, je sais pas si c'était caillou, fais chier. Je t'ai mis des stocks de munitions sur les côtés. Tu sais, c'est ces grands trucs comme ça. Ouais. Choisis tes armes. Mais c'est bon, hein. C'est bon. Cette nuit, j'ai entendu des cris. Au début, j'ai cru qu'il avait, que quelqu'un avait reçu une balle, mais il n'y a pas eu de coup de feu. Et puis, les cris se sont mis à changer. Il était presque humain, mais pas tout à fait. C'est quoi ? Je ne sais pas ce qu'il y a dehors, mais ça fait un peu peur. Mais avec tout un bataillon de soldats ici, je suis sûr que tout ira bien. À ton grand amour, Kamal. Ah non, tout mon amour Kamal. Pardon. Eh oui, c'est lui Kamal. Journal du caporal Rajus numéro 7. Il y a une source chaude dans les grottes au-dessus de la station relais. Je lisais. Oh non, pas ça. Non. Quand il y a un seul antenne. Oh purée. Ta gueule. J'espère que c'est l'avant-dernière nuit ou la dernière. Ça me fait chier. Quoi que. Hop. On attaque la station par le nord. Oh non. Vite à la mitraillette. Nous nous rapprochons. Eh yeah. C'est ce que j'ai pris. Les seringues, on aurait dû faire des seringues de chasse et tout. J'en ai déjà plein moi. En fait j'en ai une, pardon. Mite, commence à protéger. Putain, il envoie tout là et il est vénère. Hein. Putain, il est vénère. Hein, il envoie tout sur nous là. Il en a marre. Qu'on lui fasse péter sa, son culte. Rip le culte est inutile. Rip le culte inutile. Allez. Truc de chasse. Putain, ils ont cassé nos barricades déjà. Ah putain, ils m'ont fait cramer la tourelle. J'éclaire. Une pyromane. Mais de où? Ah, de là-bas. Bah. Prends le lance-bombe, on a un lance-bombe ici. Partout, hein. Envoyez les assaillants. Je trouve qu'il y en a un peu beaucoup d'ennemis. Ils arrivent par le sud là, t'inquiète. Prends une mitraillette vite. La mitraillette là. Bon, je vais le faire. Elle est où? Ah, ok, elle est juste là. Pff. Parce que c'est une infinie donc c'est intéressant. Yeti. Prends la mitraillette, je prends le bombier. Vite, prends la mitraillette, je prends le truc qui bombe. Il y a les deux ici. C'est bon. Putain, c'est des torches humaines, les mecs. Ah bien que c'est des cultistes, hein. Ils sont prêts à se suicider pour leur truc. Par le sud, c'est toujours là. On reste à la mitraillette. Oui, attends, il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais parler avec quelqu'un. Ils arrivent d'où? Ah d'accord, de là aussi. On attaque la station par le nord. Ah, tu t'occupes du sud, je garde le nord.
hein. Ah ouais, c'est la fin là, c'est la dernière nuit là. Ah, le sud c'est bon. Le sud va à l'ouest, va à l'ouest. Non, sud, est, ouest. Ouais. Yeti, Yeti, Yeti pour moi, Yeti. Bah là, pour l'instant, je suis occupé. Il y avait deux mecs, s'il te plaît, c'est juste. Attention, il va vers toi. Un bon petit coup d'RPG dans sa gueule, il a pas compris. Personne, les Yeti, ils sont pas si forts quand on est bien armé. Deuxième Yeti. Attends, on a eu trois Yeti cette nuit. On a eu le bon repas. Ils s'attaquent entre eux. Merde, ils attaquent par l'est. Occupe-toi du Yeti. Ah, j'ai chaud. C'est bon, il est mort. Yeti mort, allez go. C'est bien d'avoir les chasses, au moins on sait où ils sont. On regarde autour de nous, c'est bon, c'était le dernier. On fait comme les gens, on tire dans le ciel. Ouais. C'est un... Ah non, j'ai pu en profiter. Attends, après j'en profite un peu. On a gagné. Yeah. Et un, t'es prêt? Regarde dans le ciel. C'est nous les gentils. Les gentils. D'ailleurs, on a une tour maintenant. C'est pour ça qu'on voyait la tour de loin, c'est la nôtre. Les gentils. Alors, tu viens, on va continuer la mission. On change d'arme et on continue la grande mission. Ça va vite maintenant. On a bientôt fini le jeu alors. Oh là, le chantier est d'or. Encore, mais j'y travaille. Et le pilote, il est avec vous? Non. Non, il n'a pas survécu. Pourtant, on a un peu abandonné le pilote aussi. Je vois. Ouais. Parce qu'on a, on a pas fait mission pilote pour le sauver en vrai. Non, c'est qu'un pilote après tout. Il y en a tant d'autres. La relique est au sommet d'une montagne appelée Adjura Amako Atama. Bon, là, on est deux forts là. Après, on est Jegal et. Attends! Ah putain, c'est le plus haut, le plus haut pic de la vallée. Soyez prudent, AJ. On a déjà perdu suffisamment de frères du sentier d'or. Ah, je sais pas pour toi, mais moi je suis prêt à la fumer cette relique. Enfin, à la brûler, la faire péter comme tu voudras, mec. Tant qu'on peut s'éclater un peu, hein. C'est toujours toi qui as le dernier mot. La balancer en l'air pour une grande gueule. Putain de bazooka qui traîne et la faire exploser en mille morceaux. Quand ces morceaux tomberont, et ben on les réduit en poudre et puis on les sniff, mec. Carrément. Bon, c'est à dire que tout seul je vais te faire chier tout seul dedans parce que t'as pas laissé tous ces petits messages là. C'est un peu moins bien, c'est clair. Bon, c'est pas, alors c'est là, de la merde ce qu'il dit, mais bon. Alors, toujours une petite vecteur en bas. Toujours un petit lance-grenade, toujours, toujours très important. Un petit PK-16 là, et puis bah le reste, on prend un petit lance-grenade, ouais aussi, puis un petit bon pompe pour bien bourriner. Et puis après on y va. On est comme ça nous. Et hop là, une mire métallique. Un plus gros chargeur. Et, où, le et une peinture bien terrifiante. D'accord. Le temple est à l'autre bout du monde. Allez, 80 000, une peinture qui sert à rien mais c'est pour le fun. Tiens, tu montes sur la même motoneige que moi par contre. Regarde le flingue que j'ai fait, il est pas stylé. Ouais. C'est un beau pétoir. Ouais, c'est pour l'occasion. On va tout faire péter. On va le violer, lui sa relique, en espérant qu'il n'y ait pas encore une dernière mission après. J'en rentrerai à la maison. Tu sais ce que j'ai gardé? Eh putain, t'as vu la neige qu'il y a? Fais gaffe parce que je sens qu'on va se taper des Yetis à tout va. On est là.
Non mais t'as vu, bizarrement le blizzard s'est lancé maintenant quand on fait la dernière mission. C'est event, fait exprès. Ouais, mais t'es un monstre. Moi? Non. Sûrement pas. Voilà, ça c'est fait. Suis les lumières rouges. Non mais arrête, arrête de looter, gaspiller, on en aura plus après. Il m'en reste deux. Enfin franchement, t'as tout gaspillé. Putain, ma faute. Là c'est ma faute, j'avoue. Non mais tu ressors de la maison et t'arrêtes de tirer. Oui monsieur. Puis je conduis, comme ça je peux pas tirer. Non. Je ne veux pas devoir conduire, j'ai trop peur. Je te vois. T'as même pas mis le point, tu sais même pas où on va. Si, regarde, c'est où on va. Ouais, grâce à moi. Et mets pas des... Putain, t'as mis des trucs même en plus pour me... T'es sûr de toi? Parce que t'as un lance-grenade et que j'en ai pas. Non, non, mais j'ai autre chose que le lance-grenade qui peut te faire réfléchir. T'as remarqué ou pas, je conduisais plus la motoneige? Oui. Pas grave. Attends-moi. J'en ai pas fini avec toi. Bien sûr. Mais reviens. Je vais rien te faire, reviens. Putain, on voit le sommet de la montagne auquel on va. Il est super beau. Là, Charval, c'est ici qu'on est mort. Ah, ils étaient pas là tout à l'heure. Salut Jimmy. Ah, tu veux une arme? Bah tu peux aller la chercher. C'est là-haut? Oh ok. Yeti droit devant. Non pas, non, pas Yeti. Je me crame la gueule. Putain, c'est du steak. Vas-y, monte avec le blizzard, tu vas te faire plaisir. Oh, c'est la vraie squelette, papa. Prenez le masque à oxygène, oxygène d'un ennemi. Ah oui, je l'avais fait, ça. C'est la campagne. Tu viens avant qu'on crève. Je te conseille de faire attention. Je te... Attention, toi qui veux tout faire en... Mais on n'a pas d'air, alors faut se dépêcher. Yeti! Ah merde! Je le finis. Finis-le, le Yeti. Finis-le avant qu'il me bute. Ouais, je sais pas, je suis occupé avec un gros là. Putain, il évite toutes mes attaques. C'est quoi ce Yeti de merde? Je suis par terre. Mais fils de pute de Yeti. Ah merde, moi aussi. C'est parfait. C'est bizarre, comme ça on se comprend mieux. Tu vas voir terre. Tu m'as menti. Voilà. Non mais je veux dire, il m'a fait tomber. Ah. Ouh, t'as vu que nos scooters des mers et de neige, ils sont un peu explosés. Putain, tu te mets dans le cœur. Et où est-ce qu'on chope un masque à gaz? Masque à gaz repéré.
Oui, il fait récupérer. On a pas toi? Si, j'en ai un. Parfait. Attends, recharge complètement toutes tes armes, qu'elles soient pleines. Ça c'est pas de la merde. Alors tu vois, j'en ai une qui est pas pleine. Putain, la musique elle est sympa. Puis une musique d'ambiance derrière. Ah, l'oxygène il baisse. Bah bien sûr qu'il baisse. C'est à dire qu'il faut tuer des ennemis pour les reprendre à chaque fois. Putain. Bon bah dépêche toi parce que là. Moi j'ai retrouvé l'oxygène, c'est bon. Il y en a un quand je suis caché derrière. Putain, hey, il s'est quand même fourré ou le mec hein? Le gourou. Viens, il y a de l'air là, viens, viens, il y a de l'air. Viens, il y a de l'air. Merde! What? Regarde, le petit truc jaune là. D'un peu plus et je devais repartir de zéro à cause de ma connerie. On arrive ou pas là? Bah c'est la plus grande montagne du monde hein. Autant en profiter pour l'escalader hein. Ouais. Bah là. Bon c'est sympa en même temps. Ça donne l'impression qu'on fait vraiment quelque chose de... De notre vie. Vas-y. Temple de la relique. Mais c'est bon. Oh putain Yeti. Yeti, Yeti, Yeti à ta droite. Mon coco. Bon appétit, tu as morflé. Non, à ma gauche aussi. Ah. Bah comme ça on est bien. Ah bah il a tué tous les deux en même temps. Pour affaiblir un Yeti, visez sa tête avec une arme puissante. Monsieur Oswald, c'est pas assez puissant peut-être. Quand il y en a un en fait ça va. Quand il y en a deux quand même. Bah c'est plus chaud quoi. Tu peux arriver à le sentir passer quoi. Faut mettre des mines en fait dès le début. On ouais. Attend. Dès une partie. En arrivant là. Tu as avancé, j'ai dormi d'être merde. Merde. Pourquoi t'as pas mis de... Mais pourquoi je peux pas? Oh merde. Ah. Merde, tu m'as fait péter. Je suis mort. Bon bah et où? Bon. Aussi. Je cherche pas en train d'entendre. Ouais, qui tire en train dans le sol aussi. Ouais, je cherchais ma mine et en fait j'ai tapé. Ah, parce que tu peux en regarder une gratos et puis après, ouais, qui tire dans le sable. Y'a l'une, c'est un démon en fait. C'est un dieu démon. Ils étaient en train de me le dire là. Rien de ça, rien à côté de toi, rien derrière toi. Ah, dommage, j'ai monté tous les deux un autre truc, c'était sympa. J'ai avancé de 5 cm même pas, merci encore une fois. Ah, mais pourquoi je suis tombé? Ça n'avait aucun sens. Eh, viens, Yeti. Ouais, des cornades, vas-y. Bah, bravo. Ah, merde. Alors là, GG. Oh, je l'ai tué. Regarde, oh, je fais une exécution de Yeti. Ah, bonne journée à toi. Ouais, en fait, je me suis chié. Oh, tu me sauves? Ils sont morts? Pas encore. Attends. Voilà. Putain, hé, celui-là était tout blanc. C'était un Yeti spatial montagne. C'était un Space Yeti. Non, mec de merde. Enfin, je recharge et on continue à monter. L'entrée est où d'ailleurs? Bah, c'est ici, le temple de la relique. Je sens que le temple de la relique, à la fin, on va devoir se faire un tas de Yeti. Pourquoi?
Je sens qu'on va devoir se taper des yétis par centaines de milliers, que là il y en a dans la grotte encore. Bah oui, il y en a un là, tiens. On va le noter. Accroupis-toi, accroupis-toi, il va te voir sinon. Accroupis-toi, accroupis-toi. C'est à nous qu'on dit ça? Si ça se passe mal, tu viens vers moi, j'ai mis des mines partout sur le chemin. Ah, y'en a deux! Viens vers moi, viens, 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 viens. Bravo, tiens. Voilà. Là, c'est au cas où qu'ils soient pas bien morts. Ah ouais, t'as vu, je dois me joindre à eux. Je pense que c'est le gourou là qui me parle. Ah ouais, mais attends, il y a plusieurs. D'accord, on peut pas aller n'importe où dès le départ. Tu viens? Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, c'est un portail du chargement futuriste. Oh là. Ah! What? Ne pas tirer dessus, c'est une mauvaise idée, j'ai l'impression. Détruisez les racines. Non, mais c'est quoi les racines? C'est tout jeune là. Ah oui, mais à chaque fois qu'on détruit une racine, il y a un petit. Tu vois? Et je t'avais dit qu'on allait devoir se taper des dizaines et des dizaines de yétis dans tous les sens. Derrière moi, putain, il est que là, il est pas ailleurs, merde. Oh là, c'est moi qui viens d'exploser. C'est moi. Parce que je te jure, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais voilà, j'essaye de tuer un putain de yeti là. Il s'est téléporté ou c'est moi? Il a disparu. T'as vu là les adeptes là? Yeti, viens vous yeti. Essaye de casser les reliques. Cadeau. Pourquoi c'est toujours moi qui meurs et les animaux, merde. Allez. Allez, putain. Il veut pas, je suis... Ah voilà, ça y est. Parce qu'il y en a un qui arrive là. Ah. Ah voilà. Survie, AJ. Fouf. Viens, il faut aller par là, faut continuer à chasser les reliques, elles sont dans le, des autres côtés. Viens, Corentin, viens. Par là, par là, par là, par là, par là. Oh merde. Il y a deux yétis là. Contre nous. Ah merde. T'es mort? Non, non, j'ai juste très mal. Et j'ai plus de kit de soins parce que je suis un blaireau. Ah, il m'a enculé. Il est en train dans mon cul. Ah, mais. Ouais, c'est bon, je suis mort. Et puis, c'est pas avec ça que je vais aller loin, moi. Vas-y, vas-y, viens, viens. Jette plein de bombes sur moi. Plein de bombes sur moi, vite, vite. Jette plein de bombes et fais tout péter. Ah, bah, trop tard, je suis mort. Fuis, je suis mort. Ah, ouais, non, là, c'est mort. J'ai pas été assez rapide, je sais pas ce qu'a fait mon jeu, il m'a passé. Là, quand je suis parti, en fait, faut jeter des plein de bombes sur le mec et puis tu fais tout péter. Comme ça, mec, il prend 800 bombes dans la gueule. Qu'on voit ce qui se passe. 24 minutes. Bon, boom. Faut chercher direct les reliques. Ah, les merde. Reliques, les reliques. On a d'abord pensé, faut détruire les caca des cailloux là. Ah, il m'a poutré la gueule. T'es pas mort hein. Non, mais pas loin. Thank you.
m'occupe de la relique là. Putain, tire sur les reliques quand t'envoies. Attends, j'ai plus de vie, je viens de tuer un des trucs. Avec une belle petite charge explosée dans sa gueule. Oh, c'est bon, on a cassé la relique. Ah. Quoi? Ah, répète, j'ai. Pourquoi je suis un putain de yeti? Éveil, débloqué. J'espère que je vais pas devoir tuer, ça me ferait chier. Pourquoi t'as mis oui? Why? Pourquoi on est de retour? Merci d'avoir joué à la veille. Un coup. Bon, mais maintenant on peut faire ce qu'on veut. Hélicoptère. On a un cadeau. Oh oui! Mais attends-moi. Décollage immédiat. On a de nouvelles armes, viens. J'arrive. Apparemment. Bon, on va pouvoir aller niquer du méchant. Et, attends, t'as sauté à l'hélico? Non, pas du tout. Ah, même ce qui apparaît spawn maintenant. Ah bah en fait là on débloque tout quoi. Ok. Il faut juste beaucoup trop d'argent pour pouvoir tout acheter. On peut pas genre passer et faire respawn l'hélico. C'est maintenant que tu l'as cassé, voilà. Genre c'est moi qui l'ai cassé. Déco et que je te réinvite, normalement ça va le faire. Ah, ça,